Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, j'étais beaucoup. Vous savez, quand je me retire, j'ai pris beaucoup. J'ai toujours dit aux gens de la réception, je suis prophète. Je ne suis pas pasteur. Mais c'est les pasteurs. Ma manière de travailler, c'est différent. C'est qu'on a des combats, qu'on a des victoires qu'on vient ici. Et puis bon, la chose encore plus terrible, c'est que c'est la sorcellerie. Quand vous venez ici, la sorcière, il sait qui va vous délivrer. Il sait que le prophète, il a reçu cette onction-là pour vous délivrer. Et puis ne voyez pas ça facile. Comme un morceau de pain, on met beurre dedans, on mange. Ça, c'est ce qui est facile. Or, la sorcellerie, c'est un problème d'esprit. Pendant que vous êtes ici à la réception, moi, mon esprit en combat. Si je n'ai pas pu remporter d'autres victoires, je m'abstiens. Quand j'ai fini de boucler mon dossier, que je viens ici. Voilà, c'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Ne voyez pas comme le prophète, les choses, il vient, vous reçoit. Mes trucs sont spirituels. Je peux être là, puis Dieu dit, ne viens pas samedi. Ça peut vous énerver. Mais moi, ma vie, là, je pouvais la préserver. Et là, je suis en train de vous dire les techniques. Parce que c'est un problème d'esprit. Voilà, c'est un truc d'esprit. C'est quand je finis, je suis convaincu que j'ai toutes les victoires en main, que je viens ici. C'est parce que vous ne pouvez pas les vaincre, n'est-ce pas? Vous venez ici, non? Donc vous êtes combien? Tous vos esprits là, si c'est 1000, les 1000 là, compte-moi ceux. Ah! Mais oui, compte-moi ceux. Ils s'appuient après, ils s'entendent. Parce qu'ils se voient. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas rentrer ici, mais ils sont là, ils se voient entre eux. Pour dire, bon, il faut qu'on fasse front au prophète, on va l'attaquer un coup. Et puis il ne peut plus. C'est quand il règle tous ces problèmes là que je viens. Comprenez ça comme ça. Ne voyez pas ça comme un bureau où on va avoir un généraliste, un médecin qui nous reçoit. Hein, et qui cause nous sortir et puis se sort. Non. C'est un truc d'esprit. Le travail, il est spirituel. Ce n'est pas un petit travail. Vous m'avez bien saisi? Vous dites plus amen. Amen. Vous êtes fâché ou bien? Non. Je vous dis la vérité, c'est la vérité sans de vous dire. Amen. Ne voyez pas faire de sorcellerie là comme le prophète va venir. Bon, il est venu à causer moi, il a prié pour moi, puis c'est fini. Il y a rien comme ça. C'est fini. Il est venu. Pendant qu'ils t'entendent, ils savent. Les esprits savent. Pour ça que je travaille là. Si je ne suis pas un homme consacré, ce n'est pas bon pour moi. Voilà. Souvent, je viens. Il y a des moments où je viens comme ça, j'ai ma voiture, puis arrivé au carrefour, je retourne. Je retourne tranquillement. Parce qu'il y a vu quelque chose, je peux expliquer. Même au chauffeur, ben, il ne va pas comprendre. Et il va comprendre. Il va trouver ça bizarre, il y a des choses que je n'explique pas aux gens. Alors, c'est un truc d'esprit. J'étais à la maison la dernière fois où la nuit, les sorcières, ils sont venus vers 5h du matin pour mettre la messe, la petite. Et puis j'ai détruit la fétiche et puis je suis reparti chez moi à la maison. C'est comme ça que je suis. Chacun a son don. Amen. Amen. Pour ça, j'ai l'habitude de dire aux gens, le chi de trèche vide ou le chi de crocodile ne soyez pas que carré, n'est-ce pas? Quand on part au chi, c'est pas pour voir le dentiste. Ni le gynécologue, ni le pédiatre. C'est pas qu'il y a un problème de gynécologie que tu vois chez le gynécologue. C'est pas que les dents t'ont fatigué, carie là toute la nuit. Nous, là, c'est comme ça, c'est quand carie nous fatigue, ça. Deux nuits, on dort pas, on va voir le dentiste. C'est comme ça, nous, les loups, les lois. Amen. Amen. Donc, mais dans le Seigneur, il y a des spécialités. Les gens, ils parlent. Dieu t'a appelé, là, il t'a donné, il t'a excusé dans quel domaine? C'est ça. Oui, je suis prophète, mais pour faire quoi? Non, j'ai donné révélation. Ta maman t'a mangé. C'est tout. Il t'a pas appelé. Faut faire le chant. Va faire le chant de riz. Va le faire le chant de riz. Bon, il t'a appelé pour être prophète. Il t'a envoyé où? Moi, pour moi, il dit viens à Divo. Je suis venu à Divo. J'ai commencé à Zaroko dans le village. Vous calcez moi bouton. Aujourd'hui, il y a les gens pensent, ah, le problème, c'est dans le village qu'on a commencé. Le village le plus terrible de la région où chaque par semaine, 10 personnes mouraient avec des sorcières. Oh. Elle a une peur. Elle a une grande sorcière. Grand diable. Je ne suis pas en train de m'amuser, toi, tu fais fin. C'est ceux-là qui savent. Ok, fin. Te faire manger ça là tout de suite.
Allez, tiens, c'est. C'est mon don, j'ai. Quand je suis dans la salle, je cherche. J'ai repéré deux autres. C'est pas un seul. Ouais, quand je vois que je fonce un sorcier pour parler, c'est que le sorcier a envie de m'essayer. C'est pour ça qu'il fonce sur lui directement. Vous lui dites, celui d'entre eux, il est fini, ça, il connaît. Donc, reste tranquille. Si tu forces trop, je te mets à terre. Bah, chacun, ici, là, c'est mon territoire. Je me lève ici, je mets dans vos villages, je vous gagne 1000 buts à 0. Merci, et Jésus. Amen. Amen. David dit. David dit que c'est à l'éternel qui appartient la victoire. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris? David dit c'est à l'éternel qui appartient. Hein? J'ai la victoire, j'ai joué. Je mets gagné mes buts. Tu mets sur les territoires, je ne vais pas parler du. Je mets prendre la victoire pour dire laisse-lui là, laisse-lui là, laisse-lui là. Il faut te maîtriser, tes petits trucs bizarres, 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 bizarres. Tu es venu avec qui toi? Je suis venu à ma vie. Mon esprit aussi signale ici. Où est ta fille? Ah! Je comprends pourquoi mon esprit clignote ici. C'est pas moi qui vous fais venir ici. Hein? C'est ce que j'en ai dit. Je ne suis pas allé te chercher pour t'envoyer ici. Donc si je vois les choses sur toi, il a dit. Moi, il ne m'arrive pas chez vous, à Abidjan, ou quelque part pour aller vous chercher. C'est vous qui venez ici. Donc, si je vois des choses, si ça vous énerve, ça ne vous énerve pas, moi, je dis cru. Mon problème de sorcellerie, là, ça n'a qu'à énerver quelqu'un ou pas. Au moins, j'aurais dit la vérité à quelqu'un. Ah, le problème, il divise les gens. Moi, je m'en fous. En tuer et diviser. Vous, je disais, vous. Ok. Je préfère qu'on ne mange pas les gens que me trouver comme diviseur. Jésus même dit dans Matthieu qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Il a dit à un moment ça. Mais quand tu commences à dire la vérité, l'épée c'est la vérité. Quand tu commences à dire la vérité, les gens ont peur de toi. Moi je ne cajole pas la sorcellerie. Hein. Chien, on dit c'est chien. Chat, c'est chat. Pourquoi cacher, vous dites non, c'était peut-être que tu es sorcier, tu es sorcier. Tu es prophète, tu es prophète. C'est comme ça, chacun a son nom. Maintenant, j'ai développé ça tout à l'heure. Tout ce que je suis en train de voir là, j'ai développé. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Donc, je disais comme ça que chacun a reçu un don de Dieu. Chacun. Il y a eu l'interview avec deux journaux chrétiens, Révélation, et puis le Monde chrétien, et puis encore, ils aiment bien faire le. Souvent, j'accorde l'interview aux gens. Ah oui, on va te poser les questions. J'ai dit, moi, j'ai fini les questions. Je suis prêt. J'ai un magasin même de réponses à moi. Pourquoi les chrétiens peinent d'aller au village? Il dit, ça pour des pasteurs. Elle dit pourquoi? Il dit oui. Si un pasteur vient te dire révélation, ta maman va te manger au village, pas au village. Elle va pas partir. Est-ce que le chrétien va partir? Le pasteur dit, ton papa va te manger, je prie pour toi, va au village. Elle dit oui. C'est nous les pasteurs, les petits prophètes bizarres, bizarres, bizarres. Ça cause de les gens ne viennent plus encore du monde. Parce qu'à Paris, là, ils font peur, les gens. Il ne faut pas venir en Afrique. Mais quelqu'un va te manger. Bon, tu as dit, c'est un fidèle. Il a peur de Dieu ou il a peur de sorcier? Du coup, il a pensé avoir peur de sorcier. Or, la Bible dit, l'ange, l'éternel, campe au-dessus de tous ceux qui les créent et les arrache du danger. Enseignez la crainte de Dieu à vos fidèles. Ils n'auront jamais peur de la sorcellerie. Ils vont affronter la sorcellerie. Sorcier est qui? C'est un comédien. Quelqu'un que Jésus-Christ a vaincu. Eh bien, oui. Écoutez très bien où... Là, partout, on dit, c'est les pasteurs là, qui disent, allez pas au village. C'est eux qu'il faut que les chrétiens prennent. Moi, j'ai eu une révélation sur toi, j'ai pris pour toi. C'est vrai. Ils vont te manger, mais il y a un déprogramme. Et puis, il dit, va. Jésus, le Seigneur. C'est tout. Vous avez vu, depuis quand sorcier a gagné Jésus. Tu n'as pas longtemps à manger. Dans le Côte d'Ivoire, où il y a la sorcellerie, c'est chez le peuple d'Ida. Moi, j'ai dit, le gens, si Dieu ne vous a pas appelé, laissez un peu de Dieu là. Il y a beaucoup de parfums. Moi, il y en a beaucoup ici. Je peux vous donner, vous allez les faire chanter des rizières. Il ne faut pas venir blaguer les gens. Dieu t'a appelé pour être où? La Côte d'Ivoire est vaste. Vous voulez tous être habitants. Vous vous étouffez, chacun piétit son camarade, chacun topit son camarade. Chacun dit l'autre n'est pas vrai. Moi, je suis à Divo. C'est les Divo, les gens qui sont à Londres, ils viennent ici.
Ça dit voilà, je prends. J'ai eu même visa un an. Ils m'ont demandé, les Américains m'ont demandé un an de visa. C'est-à-dire, je me dis, en Amérique, je viens qu'à un an. Vous dites, vous dites pas, même. Le Seigneur dit, allez partout. Combien? C'est partout de Jésus là, Yeshua de parler, où ça vous énerve. Ou bien que ça dit vous savoir. Allez partout. Le partout de Jésus là, c'est ça. Il a fait Europe. Maintenant, les Amériques. Puis après ça, les Asies. Maintenant, dit Jésus. Un an, dit Jésus, est triste. Non, il n'y a pas dit, il allait faire un an là-bas. Oh, vraiment, il dit ça. Le visa m'a donné là. Ça veut dire un an. Ce n'est pas un petit morceau de visa, des mois, puis du coup, tu veux ressortir. C'est un an. Je prends mon temps. Quand je veux, je m'en vais. Quand j'ai fini, je reviens. Amen. Après ça, je m'en vais. Amen. Américains, je les respecte. Américains, je respecte tous les Américains. C'est la première fois que je rentre. Moi, je n'ai pas le temps d'aller à Bassa, j'ai le temps d'aller chercher sorcier en brousse. Ça, c'est mon don. Je suis prophète des villages. Donc, moi, je suis dans les brousses. C'est la première fois que je rentre à l'ambassade. On m'a envoyé une lettre d'invitation. Invitation. Ça fait quatre fois qu'il y a eu des lettres d'invitation au fait que je n'ai pas pu répondre. Pas parce que c'est l'Amérique que j'ai couru. Non. C'est pas le temps. Je suis occupé par le travail. Il y a tellement à faire. Je prends mon temps. Cette personne dit, ah prophète, pardon, vous bénir. Il y a plein, les gens souffrent, ils veulent te voir, ça pleure, tout le monde pleure, tout ça. Je suis allé en Espagne. Et quand je suis revenu, on m'a donné la lettre d'invitation. Comme j'ai l'habitude d'aller en Europe. Pour avoir le visa Schengen, c'est difficile, hein. Des papiers. J'ai pris valise de papier. Pour aller à l'ambassade. Ah, c'est grand frère d'Europe. Plus puissant pays au monde, c'est les États-Unis. Si petit pays là demande ça. Moi, j'ai pris bagage. Là, comme ça, si on pose question, dis ça y est là. Je suis prêt. Français, il dit, il est prêt, je suis prêt. J'ai pas l'ambassade, on me prêt. Oh, les Américains, ils ont fini, ils me connaissent déjà. Je viens au guichet pour l'interview. Eux, pour les cachemins, c'est pas comme là-bas, on cache. Tout le monde est là pour te parler. On me demande, tu vas dans quel état. J'ai oublié les peuples. Mais il faut quand même chercher l'état Amérique, dis mais dans tel état. Moi, je suis au village. J'ai dit au monsieur, moi là, je suis au village, à Dino, je ne connais pas l'État. Je m'en vais là, c'est pour prier, faire délivrance et venir en Côte d'Ivoire. C'est tout mon problème. Il dit, mais je t'ai vu, tu es allé dans terre, tu es allé en Europe, je lui ai vu ta fille. Il dit, moi là, je m'en vais, je viens. Je n'ai pas vos histoires. Il revient trois fois, il m'a posé État. Il dit, je ne connais même pas. Non, je connais l'État-Unis. Hey, on dit États-Unis, c'est les différents États, hein. C'est comme Côte d'Ivoire, il y en a dans les États-Unis, il y en a beaucoup comme ça. Je ne connais même pas. Donc il m'a expliqué, oh le monsieur, pendant qu'il me parle, il connaît mon histoire, il connaît tout. Du coup, il a dit, donc le visa là, j'ai raté ça. Oh, c'est nous, on est pris pour que les gens aient visa. Le monsieur, il m'a posé des questions, tu fais quoi? Il m'a pas demandé le nom de ce qui m'a dit. J'ai dit, il dit, mais Dieu est partout, mais Dieu veut qu'il soit là-bas maintenant. Pour prier, pour prier, il est venu. Oh, le monsieur connaissait tout. Il dit, donne-moi ton passeport. J'ai donné le passeport. Moi, j'ai pensé qu'il allait me donner tous les papiers. Je donne le passeport, il prend. Et après ça, il dit, donne-moi la lettre d'invitation qu'on t'a adressée, originale. Donne, j'ai donné. Il dit, monsieur, c'est tout. Il dit, c'est tout. Il me donne un petit papier vert. Oh, le petit papier vert avait dit qu'on t'a donné 10 ans. Moi, je ne savais pas. Je sors de l'ambassade. Je suis inquiet. Mais je suis rassuré parce que je dois venir pour mon visa. Peut-être que la nuit, les choses vont changer.
Oh, le petit papier, là. Je l'ai les amis, qui je l'ai. Je conseille les amis. Quand je prends le papier, on me pose la question, je dis, j'ai eu des difficultés à dire l'État. Mais, on me dit de venir à 15h, ils m'ont donné papier, papier, mais tous ceux qui m'avaient invité ont commencé à crier sur le visage, le visage, le visage. Mon habitué à pasteur, il fait trois jours à l'ambassade, tout ça. Donc c'est pour dire, il savait qu'il était crasseux, le prophète crasseux. Un petit papier, ils m'ont pris le visa. Bah, je suis parti le lendemain, j'ai pris mon visa, je regarde, un an. Mon passeport, mais c'est rempli. Ouais, le visa seulement. C'est pour dire votre prophète, là, il voyait son mot. Ah, c'est le visa des États-Unis. Un an de visa. Allez, je peux partir, je peux revenir. J'ai mis ça dans ma poche, je dors maintenant pour calculer. Dans les temps là. Quel jour, oh, pour la Europe là. Dès qu'on te donne, tu dois partir. C'est pressé, 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 pressé. Les Américains sont tranquilles. J'ai mon visa là. Je suis tranquille. Vous dites, je reviens le 5 novembre. Le 5 novembre, je ne suis pas pressé. Il y a des sorciers encore attrapés, encore du voir, il y a des gens à délivrer. Moi, je ne suis pas pressé. Mon ministère, c'est d'aller là-bas, prier pour vous, et vous allez venir. Ce n'est pas pour dormir là-bas. J'ai eu mon visa. Donc, organisez-vous, ceux des États-Unis. Voilà, organisez-vous. Bon, le grand programme va se passer à Baltimore. Le grand programme se passera à Baltimore. J'attends la main à l'annonce. C'est la deuxième annonce après le visa. Ça va se passer à Baltimore. Et tout le monde, tous ceux qui sont dans les différents états qui aimeraient inviter le prophète Crasso, il aura une grande soirée. C'est un samedi, le 5 novembre à Baltimore. Nous allons démarrer heure des États-Unis là-bas, à partir de 18h. Heure des États-Unis, nous allons démarrer une rencontre de lancement du programme du prophète Crasso sur les États-Unis, où je ferai un mois. Je m'en vais en novembre et puis je fais tout un mois au niveau des États-Unis. Voilà, parce que ceux qui sont dans les différents États, tels que New York, tels que d'autres États, et toutes ces délégations, toutes ces personnes qui représentent toutes ces délégations, doivent tous à mon lancement, mon programme. Parce que les erreurs que j'ai commises de faire. En Europe, je ne vais pas les répondre encore. Je vais savoir qui m'invite dans tel état. Nous allons ensemble, à cette soirée-là, nous organiser, nous entendre, et en fonction de ça, j'ai position des jours. Et je m'en vais dans les états, là, j'ai trois jours dans vos états, puis je reviens. Je me repose trois jours, j'ai d'autres états, trois jours, je commence un jeudi, je finis un dimanche avec vous. En fait, je voyage un jeudi, je me repose, je commence un vendredi, je finis dimanche, je prends mon vol. Et ma base sera à Baltimore. Voilà, c'est là-bas que c'est eux qui m'ont invité. C'est une de mes filles spirituelles qui m'a invité, qui m'a adressé la lettre d'invitation. Simplement, sans problème. Une petite lettre d'invitation. Ce n'est pas une question d'église. Hein. Elle a dit, viens, tu vas prier pour nous. Ce n'est pas l'église qui m'a invité. C'est une de mes filles qui m'a adressé une lettre d'invitation. Et les gens ont vu. Et puis, ils m'ont donné le visa. Un an. Donc, ce sera à Baltimore. La rencontre, c'est à partir du 5 novembre 2016, là, le 5. Tout le monde, rassemblez-vous ceux qui sont à New York et tout ça, tout le monde à Baltimore. Avant de démarrer, j'irai d'abord au consul au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et ça serait des grands programmes, des grands programmes de taille. Nous allons prier. Ce jour-là, on va y avoir tous ceux qui ont le cancer. Quand j'ai fini de prier pour vous, vous partez faire le test. Ce n'est pas question de... Je fais malin, non. Je vais vous montrer que Jésus-Christ est puissant. Voilà. Et puis je viens pour vous aider au nom de Jésus-Christ. Vous aider à venir investir. Quand vous allez voir la puissance de Dieu, vous allez vous convertir. Vous allez aussi voir que ce n'est pas seulement aux États-Unis, il y a les hommes de Dieu. En Brousse, ici, là, il y a aussi les hommes de Dieu. Amen. Dieu peut nous utiliser. Même si nous sommes à Divo, nous avons aussi l'onction de Dieu sur nos vies. Comme je disais tout à l'heure, chaque homme de Dieu a sa spécialité. Moi, le domaine de la sorcellerie, Dieu, là, moi-même, c'est qui m'a donné ce don-là. Ça, quand je dors, je me réveille. Sorcier, c'est. Je suis son totem. Sorcier, c'est ça. Voilà. Quand je me lève le matin, ça fait des sorcelleries, je règne d'abord. Voilà, donc chacun a sa spécialité. Moi, c'est mon domaine. Si on t'a donné un cancer, on t'a donné AVC en sorcellerie,
une paralysie en sorcellerie, un blocage de mariage, ta vie devient bizarre. Je serai aux États-Unis d'ici le 5 novembre pour parler aux sorciers, leur demander de te laisser. On va prier pour toi, tu seras délivré. Et bien, n'oublie pas l'Afrique. Moi, j'ai mis un plan pour causer avec vous, c'est pour venir investir en Afrique. Priez pour vous, pour que demain, vous puissiez construire au Togo, au Bénin. Oui, c'est important. Voilà. Parce que l'Afrique, c'est chez vous. C'est chez vous. Donc, c'est très bientôt le 5. Et après, avant le 5, je ferai mon tour. On a aussi une croisade en Europe. Avant de partir aux États-Unis, on a différentes croisades. Le 16, le 17, je crois. Le 17, j'ai un grand programme, un dimanche 10, 17. J'ai un grand programme en Italie, 17 octobre. 17 octobre, j'ai un programme en Italie. À partir de 21, je crois, 21, 22, j'ai un grand programme à Lyon, de 21 au 22. Et vers la fin du mois de 28, 29, j'ai un grand programme à Toulouse. Quand on finit ça, je pars aux États-Unis le 5 novembre. Et après ça, je reviendrai en Côte d'Ivoire, repousse, poursuivre mes programmes. Si l'Europe. Voilà, donc voici un peu mon programme. Je vous dis, voyez la sœur Naïn. J'ai déjà échangé avec elle. Elle est en train de faire des conférences vidéo. Vous voyez, elle a organisé ça très bien. Si vous n'êtes pas prêt, je prolonge encore mon séjour en Europe. Parce que j'ai maintenant un long séjour en Europe. Hein. Les gens ont parlé jusqu'à là, j'ai dit, bon, l'Europe, là, c'est pas pour vous. J'ai parti maintenant, j'ai venu, j'ai parti. Donc maintenant, c'est plein dans mon visa, même est plein dans ma couche. Je me lève, je m'en vais. Moi, je suis un homme d'Afrique. J'ai pas de problème les gens. Je mets Abidjan là, ça m'intéresse même pas de faire église. J'ai dit bonjour aux fidèles. J'aurais dit, vous ne comptez pas si mon père église avant. Hein? Abidjan Divo là, c'est 2 heures du temps. Vous pouvez venir ici en voiture pour retourner faire culte. Mais moi, je suis ici. Voilà. C'est si Dieu m'a envoyé. Chacun a son parking. Chacun sait où Dieu, quand Dieu t'appelle, sait où il te met. Dans moi, hein, Dieu m'a envoyé ici. Quand il m'a appelé là, il dit, prophète, j'ai tourné, il dit, ça a 10 tu vas me servir. Il n'y a pas encore une église ici. Donc, connaissez l'histoire des gens, j'ai dans le village. Et puis j'ai commencé. Ici, on a commencé, il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas de moquette. Ça vous dit, il a eu raison de m'envoyer à Divo. Donc moi, je suis à mon poste. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Voilà vraiment cette annonce-là. J'ai visa, mais il est fatigué. Les gens écoutent leur visa, ils écoutent. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est aller dire aux gens, prier pour eux. C'est tout. L'Europe, c'est quoi? Quelqu'un, chaque jour, il mange africain. Moi, si tu as fait pizza, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Vos histoires de pizza, je m'en vais en Italie, on fait pâtes. Les macaronis, bizarre, bizarre. J'ai dit, peut-être, si tu ne veux pas que je mange ta nourriture, faut continuer à m'envoyer ça là. Si ma table ici. Quand je suis né matin, j'ai mangé tikliti, sauce arachée, sauce graine, pour grandir. J'allais changer mon régime et puis j'ai mouru. J'avais une maladie des blancs. Mon nourriture, là, ça reconnaît les blancs. Tikliti reconnaît mon sang. Voilà, donc chacun a sa nourriture. Ah, chacun a sa nourriture. T'as fait comme les blancs malais, et ils mangent quoi? Lait mène à riz. Saumon au lait, puis à riz. Je ne connais pas ça. Moi, il m'a piment. Sauce pépé soupe. Poisson braisé. Moi, je ne suis pas là pour une bonne histoire de malin. Vous quittez en Afrique, vous partez chez les blancs, vous faites malin. Matin, vous mangez croissant. Demain, vous avez diabète. Depuis quand mon papa est en diabète. C'est quand les papas les veulent chercher choco, matin, ils prennent plein de Dieu, ils mettent un café dedans, ils commencent à avoir du diabète. Mon papa, là, il mange plein de Dieu, maintenant, sucre. Je suis pas dedans. Moi, matin, c'est riz couché. Ah! Chacun sa nourriture qu'il mange. Chéchi, je me suis levé matin. Tu vas pas voir dans mon banc ce qu'il a mangé. J'ai mangé riz couché, je vais faire la délivrance, je chasse des noms. Ah! Vous quittez l'Afrique, vous partez être choco, vous mangez les tuiles. Ok, ça c'est pour vous. Mais moi, je mange africain. Donc, il faut que ça soit très bien organisé. Ça c'est mon fils. On acclame le Seigneur. Lui là, c'est le grand maître de Paris. Ah, lui c'est mon fils. Oh, que Dieu te bénisse.
On acclame le Seigneur. Fils, que Dieu te bénisse. Amen, amen. C'est mon fils de Paris. Son histoire de prophète Crasso, tu as joué ça. Aïe, 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 il te met à terre. Hein? Que Dieu te bénisse. Tu arrives aujourd'hui, j'ai vu tes messages. Je fais aujourd'hui. Sois béni, amen. Voilà, sois béni. C'est mon fils, hein. C'est mon fils même. Amen. Amen. Voilà, on s'est venu à Paris, on était ensemble à Paris. Comment ce monsieur, il défendait beaucoup mon image, il ne s'est pas associé à cette merde-là. Il est resté loyal à son père spirituel, il continue de l'être. Parce qu'il est déjà venu à Divo. Ceux qui sont réellement venus à Divo savent qu'il est le prophète Crasso. Voilà, ils savent qu'il est le prophète Crasso. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai un comité d'organisation à Lyon, qui est en train de se mettre à Lyon. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion. Ils sont en train de s'organiser. Ce n'est pas quelque chose d'amusement. Sur Paris, ils sont en train de s'organiser. Sur Toulouse, c'est M. Faye. Il est professeur d'économie à l'université de Toulouse, là-bas. C'est un Sénégalais, frère Sénégalais, qui s'occupe de l'organisation. Et aussi, on a un bien-aimé qui est en Italie, celui qui coordonne tout ça, Fernand. Voilà, donc, j'irai d'abord en Italie, après l'Italie, j'irai à Lyon, après Lyon, Toulouse. J'ai fini Toulouse, je prends mon vol pour les États-Unis. Et le 5 novembre, nous aurons un grand programme par la grâce de Dieu. Je peux aider la diaspora. Voilà, c'est pas quoi pour dire non, il va voyager. Quand je prends mon vol, je reviens. Et j'ai lié trop à l'Afrique. Ah, ça, c'est la vérité. Hein. Je ne peux pas faire 3 mois hors du pays. Ça ne m'arrange même pas, moi-même. Amen. Amen. Ça ne m'arrange pas parce qu'il y a les sorciers, Abraham, il y a les gens. Il y a trop à faire. Il y a trop. Que de rester là-bas. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Ce ministère-là est spécialisé dans le domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Regarde ce qu'on dit et puis est-ce que toi-même tu vois. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais te parler si on dit. Ici, en 10 minutes, on peut délivrer un sorcier mangeur d'arbre. Il n'a qu'à les manger, les grands sorciers. Tu viens ici, c'est son torcher. C'est ton 10 minutes ici. Parce que c'est notre spécialité, Dieu nous a donné cette onction. Si sorcier veut te manger, il t'a déjà mis dans l'estomac, nous on ira te prendre dedans. Il va te vomir. Si c'est en tête, ok, lui veut prendre ta place. Voilà, c'est comme ça. S'il ne veut pas te laisser, ok, on dit, bon, tu ne veux pas le laisser, bon, prends ta place. Voilà, donc ici, c'est ça. Si c'est une maladie mystique, le cancer qu'on t'a lancé, on t'a lancé une maladie mystique, paralysie, on t'a lancé une maladie mystique, c'est l'onction que nous avons réglée pour régler ça. Amen. Non, ça ne mélange pas. Dieu dit, sois à Divo, bon, je suis à Divo. Amen. Voilà, c'est comme ça. Moi, je sais que je suis appelé. Et les attaques de la sorcellerie que j'ai vécues, si je n'étais pas, si Dieu ne m'avait pas appelé, il y a longtemps le prophète dit, je suis mort. C'est pour ça que je fais mon appel. Aucun sorcier ne peut mourir. Je ne dis pas parce que je suis Crasso, hein, parce que je sais qui est Jésus dans ma vie. Ce qui représente à moi. Voilà, j'ai la victoire à mes côtés. C'est ce qu'il disait. Il dit aux gens, c'est les pasteurs là, qui vous font peur. Tu les attends par là, un sorcier vient te manger, il faut pas aller au village. Mais le village vient chez toi. Va pas au village, il vient chez toi. Ah, je ne vais pas en Afrique, mais l'Afrique, c'est des plats jusqu'à dans ta chambre. Comment tu expliques ça? Ah, les chrétiens, même, ils ont peur. Il dit que c'est les pasteurs là-même qui créent la peur dans le cœur des chrétiens. Moi, je n'ai jamais dit à un chrétien de va pas au village. Pourquoi? C'est la force de révélation. C'est comme si eux, ils vous disaient que ça, le sorcier est plus fort que votre Dieu que vous adorez. On vous fait peur. Je ne vais pas dire bonjour à ta maman. Nous, on verse notre huile là sur toi. Bien. Tu ne vas pas dire bonjour à ta maman. Ta maman, ça l'a brûlé. Bien, monsieur, il est tombé malade. Son fils, on a versé lui. Quand il prie dans le village, l'huile sur son fils. Il a chanté à Salé. Son fils allait rendre visite à son papa. La nuit, là, son papa veut le manger. Il se réveille la nuit,
se transforme, il vient manger le petit. Point qui est venu dans sa poitrine. Ouvre la tête, il va. On va à l'hôpital. Il n'a pas attention. Il va. Le tour il dit, attendez, mon problème là, c'est pas l'hôpital. C'est le prophète Crasso qui peut régler ça. Il dit, si vous m'envoyez devant le prophète, vous saurez ça. Ah, moi, il m'a demandé devant le prophète. Je l'ai regardé et dit, moi, mon fils, là, j'ai pensé qu'il était simple. Je voulais le manger. Et bien, pour la briller, quelqu'un est venu me limiter dans ma poitrine, je suis tombé. Je lui ai dit, j'ai fait sa consécration. Donc, c'est un homme sacré. C'est pas tout le monde qu'on mange. Vous voyez les gens voulaient manger. Vous mangez. Oh, il y a le poulet, il y a les cabris, il y a pentade. C'est l'homme que vous voulez manger. Et c'est comme ça qu'on a prié pour lui. Et puis heureusement, il a été délivré. Il dit à partir d'aujourd'hui, j'ai ma chère Jésus. Amen. Alors, comme soyez fortifiés, vous êtes dans la brigade en tout sachet. J'ai toujours dit aux gens, je vis avec mon appareil dans ma tête. Je vais passer, tu es mamie, tu mets tes mamies. Non. Quand je commence à être près de toi, il y a quelque chose qui clignote dans ma tête. Comme les deux là, elles sont dedans. Ça veut dire qu'on monte, on descend. Elles n'ont qu'à discuter, moi, elles vont dedans. Tu penses que ça marche, hein? Pas parce que tu les manges, ou bien tu manges un calme, ou bien on t'a dit que. Moi, je ne comprends pas si on m'a dit que. Il y a des gens qui sont les habitués des sorciers. Je dis, viens, on t'a pas dit des sorciers. Lui, son oncle dit, il est sorcier. Ben, il y a son petit, il y a un monsieur, un petit qui a réveillé un matin, il a vu, il dit quoi, t'avais votre téléphone. L'enfant dit quoi? Non, arrête, l'enfant dit quoi? L'enfant dit que moi, il a vu ses bains. Voilà, il dit, l'enfant est réveillé, il a vu, c'est le gars a vu ses bains. Non, l'oncle n'a pas réfléchi. Prends tes bagages. Je suis le prophète. Hey! Il veut discuter, il ne veut pas entendre. Je lui ai dit, mais petit, tu n'es pas sorcier. Moi, je ne compte pas si on dit. Il y a un appareil dans ma tête. Quand ça se déclenche, il faut discuter. J'ai été dans. Il dit, tu n'es pas sorcier. Il est sorcier, il m'a été caressé. Il dit, que ça sorcier fait camaradienne. C'est marabout et féticheux qui sont camarades et sorciers. On va te les voir là, ils disent, ok, on va négocier, donne deux moutons, tu es maintenant. Je ne dis pas maintenant, il m'a donné l'année de moutons. Il faut attendre un an. Et puis tu es sorcier, je te prends. Donc ici, c'est mon don. Pour ça, quand vous avez les parents ici, pour enseigner ça. On ne sait pas ce qui se passe, mais on va chez le prophète. S'il a détecté quelque chose en nous, ah, le prophète, je suis là. Madame, ça va, vous êtes-y? Non, vous êtes, comment vous vous appelez? Aslanion Apoué. Ok, j'aurais besoin de vous. J'aurais besoin de vous tout à l'heure, j'ai dit aussi que vous assurez. Bon, on va vous recevoir. On va le démarrer, fils que Dieu te bénisse. Toi, tu es mon fils. Et ça, tu me l'as démontré à plus et. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. On va vous recevoir, on va prier pour vous. La dernière fois, tu as fini, non? Non, comment? Non, à chaque fois. Tu ne m'envoies pas en parole, hein? Quand je vais démarrer parole, là, je vais gagner dans ça. Je vais aller où? À deux fois là, c'est un divo. Non, tu me connais pas? J'ai vu quoi sur toi? Non, pas veux, ils t'ont donné qu'à veux. Laisse ça. Veux là, ça en va. Ils déjà veulent. J'ai dit, ils t'ont donné la sorcière. Ils t'ont donné la sorcellerie. Tu as bien compris. Faut pas jouer moi. Je n'aime pas cette manière de me prendre. Il ne faut pas me traiter comme non. Tu as bien saisi mon message. J'ai dit,
Ils t'ont déjà mis dans la sorcellerie. Ça, il m'a dit. Avant, les gens cherchaient à vouloir te mettre. Maintenant, tu es déjà rentré dedans. Tu t'arranges comment? C'est la question qu'il t'a posée. Laisse-la, elle peut pas dire. Jésus, il t'a dit. Tu as un problème comme ça, c'est Dieu qui t'intéresse. Quand ça va manger bien de l'homme, va les manger. Aux gens, vous pouvez mentir, pas à moi. Ok. L'argent peut te trouver ici. Là, il n'a pas, c'est pas que lui, il avait le voir pour venir. Maintenant, il y a Orange Money, il y a MTN Money, il y a Moon Money. On se déplace plus. Toi, tu as été déplacé à la durée. J'aimerais dire à ton fils, si tu n'envoies pas ici, il est maté à distance. J'aimerais dire à ton fils, si tu ne dis pas ta maman de venir, parce que j'ai vu, c'est, j'ai la maté à distance. Je m'amuse pas, on a septembre. Septembre, octobre, novembre, mon langage change. Parce que c'est la période où les sorciers deviennent plus dangereux. Donc je deviens aussi très dangereux. C'est comme ça. Je délivre sorcier, mais je peux t'envoyer aussi à Mauritanie. Je fais ça. Ça va chez toi? Voici une dame aussi, on l'a accusé des sorciers. Après, je suis ça. On dit, on t'a accusé des sorciers, c'est ancien. C'est ça? Tu m'as dit dans le bureau, elle pleurait. Elle dit, non, on est une sorcière. On est une sorcière. Et là, on finit, on dit qu'est, hein? Qu'est-ce que c'est? Elle dit donc, j'ai pas lavé la dame, tu m'as amené la toute. Maintenant ça va. Hein? T'es fatigué ou t'es? On a levé le fardeau là sur toi. Oui. Non, c'est ça. Il y a deux formes de sorcellerie. Ceux qui ne voient pas bien, ils voient flou de toute façon. On t'a porté à vie des sorcelleries, ils vont penser que tu es sorcier. On t'accuse partout. Alors nous, on a fini le scandale, c'est en nous. On sait quand tu as pris de sorcellerie, on sait quand on prend pour faire cheval, on est pour ça, on sait que quand tu as ça, vrai. Moi, les vies dans ma tête, avec 4, si c'est 4, niveau 4, ceux qui ont ta porté à vie. Si ça arrive au niveau 7, tu es dedans. Si l'homme a pu fabriquer des tempêtes, c'est pas Dieu qui va fabriquer ça. Le plus grand scientifique, c'est Dieu. Respectez le Seigneur. Amen. Je sens, moi. Quand il marche, quand il y a un fétiche, je sais. Le don qui est à moi, c'est pour détruire le fétichisme, les maladies mystiques, tout ce qui est problème de sorcellerie. C'est pour ça qu'il nous disait, chacun a sa spécialité. Bon, toi, tu es prophète, tu es spécialiste, quoi. Non, il fait tout, tu mens. Qui n'est pas moi? Tu es un menteur. Abakouk dit, j'étais à mon poste. Bon, il t'appelait ça à Abidjan. Bon, je ne sais même pas. Quand il t'appelle, il donne un poste. Mais là, on peut revenir à l'intérieur. Parce qu'il y a la galère ici. On se connaît. Nous-mêmes, souvent, on paye maison des gens. Vous voyez? Je paye pas des gens. Ici, il y a la galère. Tu dois à manger mon gens ici. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 25. Offrande. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 25, ça fait 50 francs. 115. Toi, tu passes, tu vas faire 4 francs. C'est pas là où j'ai. Tu as peur maintenant. Eh, moi, j'ai dit à l'offre, monnaie. Sur les banques, là. Les prêts. La vie, elle est prête. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Et puis, danse. J'ai compté tout au front de... C'est 500 francs ou 1000 francs. Tu as vu quoi ça? De l'eau... Tu as vu quoi ça? C'est ça. On dit servir Dieu. C'est pas... Abidjan, qui m'a donné 10 000? Vous m'avez donné? Vous n'avez pas pris pas pour vous? On n'est pas là pour ça. Hein? On est ici. Par moi, on prend l'argent, on aide les gens. Ce sont les servis de l'Éternel. Donc quand vous parlez, on n'est pas même chose. Je vous ai dit aux gens, on n'est pas même chose. Quand même, vous avez les yeux. Même si vous n'aimez pas grâce, vous avez quand même les yeux pour voir. Ceux qui sont dans Pisaérie, ceux qui ne sont pas dans Pisaérie, vous savez. Moi, je vous traverse. Je quitte au village. Je prends mon avion à Abidjan, je m'en vais. Quand je quitte, je ne vais pas m'aller à Abidjan. Je reviens à Divo. Tranquille, dans ma maison, je dors.
Parce que je suis à mon poste. Or, tous ceux qui viennent ici viennent d'Abidjan. Je peux dire, mais attends, je peux construire une ville d'Abidjan? Oh non, je n'ai pas appelé d'Abidjan. C'est quand vous voulez parler, quelqu'un réfléchissez bien. Jésus dit, même si vous ne m'aimez pas, mais à cause des œuvres. Si vous ne croyez pas à moi, mais à cause des œuvres. On ne chasse pas sorcellerie à Abidjan, même si elle est sorcière. Mais les vrais sorciers se trouvent à l'intérieur. Et ils savent. Quand ils parlent de sorcellerie, ils savent. Pourquoi ils ne viennent pas à l'intérieur de la Côte d'Ivoire? Ils savent. Mais un sorcier, c'est pas camarade de quelqu'un. Nous-mêmes, nous flash. Étant maréchal, il faut dire, ok, tu as été le premier à donner ton coup, hein. Je prépare ici un sol. Une pommade. Sol air. Chacun a son don. Allez prendre un sorcier à Zonouin. Je peux lui donner diarrhée tout de suite. C'est comme ça, je... Chacun a son don. Donc le Seigneur va vous délivrer. Amen. Amen. Je suis en train de vous rassurer que ce n'est pas une question de là. C'est pas parce que non. Je ne prie pas pour que vous ayez peur de quelqu'un. Je prie pour que vous n'ayez plus peur de sorcier. Amen. Amen. C'est tout. Que ce problème soit réglé pour des bons. Amen. Qui n'ait plus la peur. Amen. Au contraire, c'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. Amen. Si tu as encore peur de sorcier, c'est fini. Le sorcier. Mais quand on a commencé à verser une sur toi, tu vas avoir un problème. On a une vidéo même qui passe sur Internet, c'est sur YouTube. Un petit, on a mis sur son papa. Le petit veut aller manger son papa. Il a attaqué son papa, il veut le manger. Lui-même, il l'a mangé. Il a commencé à maigrir. Maigrir. Comme os. Les os sur lui. Et puis il est mort. Moi, il a dit, je ne veux pas ça. Amen. Amen. Je ne veux pas ça. Nous savons que la grâce est sur lui, donc chante. Nous savons ça. Quand vous venez ici, là, heureusement qu'aujourd'hui, on a mis des registres. On vous suit. On vous suit, hein. Quand vous passez, si on vous suit, quand quelque chose doit arriver, je vous interpelle. Faites attention, attends. On a commencé à vous encadrer. Au départ, comme d'autres avaient des différentes églises, on vous laissait avec les pasteurs. Mais les pasteurs, bon, d'autres, ils savent le faire, mais d'autres, ils ne savent pas le faire. Donc, on a tout le temps de régler notre pratique. Ce qu'on doit faire, on le fait dans votre vie. Et vous continuez de prier là-bas. Amen. Mais il ne faut pas que sorcier, parce que quand on vous voit déraper comme ça, on vous interpelle. Vous dites, hey, sorcier qui a fait ça, qui est en train de faire ça dans votre vie. Non, ici, il y a un suivi. Hein. Voilà, hein. C'est pour ça que par moment, quand il y a une croisade, il y a une retraite, venez. Venez, ça renouvelle beaucoup de choses en vous. Et puis les enseignements vous feront encore du bien. Parce que la vie, c'est la prière. La vie, c'est une question de consécration. Tu es toujours dedans. La prière, tu es toujours dedans. Amen. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Madame, vous êtes sorcière. Attends. Tu t'amuses avec qui? C'est... Merci. Qui t'a donné? Moi, quand on est à la réunion, je vais dans la réunion. Qui est venu avec qui? Moi, je suis venu avec moi. Où est-ce? Toi, tu fais réunion, tu vas dans la réunion. Je n'ai pas compris Dieu. Quand la nuit, vous venez d'où? Nous de Poisson. Comment vous êtes venu ici? On a pris Poisson. Maintenant, tu as mis dans le nom de car qui t'envoie ici. Le nom du chauffeur, du coxer, de l'apprenti. Tu as fini ça. Elle a pris le transport pour venir. Bon, tu as appris quoi, tu es venu. Qu'est-ce qu'on dit? Bon. Ben, je suis venu te parler français, ben, t'es en train de m'amener là. Mm-hmm. Bon, j'ai peur maintenant. J'ai fait un enfant, ça fait 6 ans que ma... Tu as dit, ton nom est Adivo. Ah, c'est un grand frère. Il dit quoi? Donc, il dit, il est venu croiser un pasteur ici, que nous, on a qu'à envoyer un petit enfant ici. Tu es venu et puis la vieille. Oui. Puis l'ont pris en même temps. La vieille. Hein?
Il t'a envoyé pour parler français. Hein. Tu m'envoies ici, tu m'envoies ici. Hein. Qui est Tini? Qui parle Nathalie? C'est qui est dit là? Toi tu vas. Elle est bien ça. Madame, c'est pour vous mettre ici. Ah, je suis content de parler avec vous. Pour tourner. Mais où nous sommes? Tu fais pour toi la nuit, nous on fait pour nous dans la journée. Ah, pour nous là, c'est dans la jus la lumière. Donc on va te mettre au grand jour, tu vas parler. Quand on met les sorciers qu'on soit au grand jour, ça les démystifie, que ça détruit le pacte qu'ils ont tissé avec la sorcellerie. Vous comprenez? Ça dit que là, quand ils disent que tu deviens sorcier, ils disent qu'il ne faut pas dire aux gens. Donc c'est un pacte. Ah, le prophète est lui-même, au lieu de parler les gens à huis clos. Bon, le pouvoir problème, c'est quoi? C'est le sorcier délivré. Waouh, c'est huis clos qui vous intéresse. Le sorcier, lui, ça ne lui dit rien. Maintenant, c'est vous les avocats du diable, enfants de Satan. C'est vous qui vous plaignez. Chacun a sa méthode. Mais ça marche. On est déjà plus de 8000 sorciers délivrés. Dans la même méthode là. Ils sont délivrés, ils n'arrivaient plus à la sorcellerie. Non, c'est la méthode, nous on suit la méthode. Hein? Donc quand ils parlent eux-mêmes, et puis le fait même qu'ils soient devant les gens, ça joue sur leur conscience. Et puis il y a le remords. Et ça justement, c'est à ça qu'on veut les amener. Et ça affaiblit l'esprit des ténèbres en eux. Et quand on dit démon sort, le démon sort. C'est le seul ministère au monde qui vous dit qu'on peut délivrer un sorcier. Les hommes ils disaient, ça un sorcier peut être délivré. Depuis quand un sorcier est délivré? Nous avons montré aux yeux de tout le monde que Jésus-Christ peut délivrer un sorcier. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Pas que ça vous choque. C'est un ministère où on entend tout. Ici là, on entend tout. Tu es né à ça. Maintenant tu es né, tu fais quel travail? Essa. Ah, encore une fois, papa il va dire. Il parle de cuisinier, la sorcellerie là, c'est cuisinier, il cherche. Bon, ici on ne force pas quelqu'un, va t'asseoir. Tu es sorcier, non? Tu es sorcier. Il faut lui dire, le prophète là, il sait qui, ce que tu as fait, comment tu as mangé, ce que tu as gardé, je connais. Réponds à la question. Tu es sorcier. Tu veux être délivré. Tu vas être sorcier, ça allait faire cuisine. Moi là, je connais ce que tu fais. Je aussi. Je vais te délivrer. Tu veux être délivré ou tu ne vas pas être délivré? Attention, il faut réfléchir, je vais revenir tout de suite. Il y a coupé un mot là. Tu es pas gêné? Pas fâché. Il n'est pas fâché, donc on ne parle pas à côté à côté. On n'est pas fâché, on ne parle plus à côté. On s'assoit. Que Dieu bénisse. Amen. Vous maltraitez les gens, vous passez toute votre vie en train de terroriser des gens. Les gens sont là, vous leur donnez des maladies. Ils savent même plus où mettre la tête. Ils savent plus où mettre la tête. Bon, viens, tu finis de tousser. Hein? Tu les mets sur mon banc. Envoie-les sur le banc ici.